Alors, je m'appelle Savitri de Rochefort, je suis chef d'orchestre et j'ai créé mon ensemble qui est dans l'ensemble Zoroastre il y a environ 10 ans. J'ai l'habitude de donner des concerts régulièrement à l'abbaye du Bec-et-Loin, c'est la 9e fois et l'année prochaine ce sera la 10e fois. Demain, nous allons inaugurer dans une autre église, à l'église de Pont-au-Neuf. Oui, bonjour, moi c'est Claude Massot, je suis ancien chanteur et je suis chef de chœur depuis pas mal de temps et j'ai commencé notamment aussi avec Savitri. J'ai chanté un petit peu avec elle et puis elle m'a demandé si je voulais m'occuper de son chœur, ce que je fais avec un énorme plaisir. Donc voilà, j'ai préparé le chœur, mais toujours sous la direction de Savitri. Là, nous avons présenté deux œuvres. L'une de Mozart qui s'appelle Les Vêpres du Dimanche, qui est une œuvre magnifique, mais moins connue du grand public. Et donc, j'étais contente de pouvoir la donner et la faire découvrir un peu plus au public. Et en même temps, nous avons donné la messe Nelson de Haydn, qui est une œuvre vraiment superbe de Haydn. J'étais contente de mettre ces deux compositeurs ensemble, car ils avaient en plus un très grand lien d'amitié. Malgré les 24 ans de différence qui les séparaient, il y avait en plus un lien un petit peu particulier, puisque Mozart appelait Haydn Papa Haydn. Donc j'étais contente, c'était pour moi important de mettre ces deux compositeurs dans ce programme. Oui, bon, eh bien, moi, quand Savitri m'a demandé de mettre le chœur au point pour faire ces deux œuvres, j'ai regardé la partition, je me suis dit, tiens, ça va, c'est bon, c'est pas mal. J'ai vu tout de suite que c'était pas aussi facile que ça. Donc, autrement dit, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai vu, c'était pas si facile que ça. Donc, je me suis mis au boulot pour pouvoir mettre le chœur ici, pour entendre tout ce qu'ils ont fait ce soir. Et vraiment, ils se sont très très bien tiré de ces deux œuvres qui sont vraiment très difficiles pour le chœur, très spéciales, avec beaucoup d'effets sonores, et ils s'en sont très très bien sortis. J'espère que demain la deuxième sera encore mieux. C'est moi qui ai l'idée complètement saugrenue, voilà, de faire découvrir deux œuvres moins connues.
enfin, surtout les Vêpres du dimanche qui sont peut-être encore moins connues là, de Mozart. La messe celtique peut-être un petit peu plus, mais comme il s'agit d'un du compositeur Joseph Haydn, voilà, qui peut-être en tout cas du grand public peut être un petit peu moins connu. C'était l'occasion de mettre en lumière ces deux œuvres. J'ai vu tout de suite la difficulté de ces deux œuvres qui sont pas possible de faire ça ensemble, mais finalement ça passe très très bien. Il est vrai que techniquement il y avait d'énormes choses très difficiles, ouais, et pour le chœur et pour l'orchestre. Ça ne s'arrête jamais. C'est vraiment, il faut avoir une énergie intense et un degré de concentration vraiment important pour donner ces deux œuvres en même temps. Prochain, nous allons donner un concert avec un plus petit effectif à l'église d'Harcourt, un programme Vivaldi, le Gloria Magnificat de Vivaldi, et deux petits tubes avec le premier mouvement de la petite musique de nuit de Mozart et l'aria de Bach, aussi très connue. Voilà, donc un programme un peu plus peut-être facile à entendre, un peu plus grand public, dans cette belle église d'Harcourt. Et ensuite, le 16 septembre, au moment des journées du patrimoine, le samedi soir, nous allons donner aussi un autre programme, baroque, avec le Stabat Mater de Pergolèse, qui est une œuvre magnifique, avec après aussi l'Exultate Jubilate de Mozart. Donc deux tubes aussi de la musique classique, et là ça aura lieu à l'église de Chamblac, près de Bernay. Donc nous restons dans la région. Je suis un habitué, nous sommes, ma femme et moi, habitués au concert Zoroastre, et c'est toujours, toujours magistral, c'est toujours un très bon spectacle et une très bon orchestre, très bons interprètes et un chef d'orchestre magistral, sympathique. C'est toujours une très très bonne soirée. Extraordinaire, très très beau concert, magnifique. Je connais bien la chef d'orchestre et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et tout l'ensemble est remarquable, surtout dans ce site merveilleux du Beccello. Hein. Ça fait du bien de réentendre des œuvres classiques comme ça, chantées, sans manière, vraiment dans un lieu simple et beau. Vraiment, c'est très bien. La persévérance, beaucoup de persévérance, la foi, avoir confiance et surtout aimer ce que l'on fait. Je pense que vraiment ce qui est important, c'est aimer ce que l'on fait et transmettre au public, aux musiciens, sa passion. Et effectivement, en tant que chanteur dans un chœur,
c'est un tout petit peu plus difficile que soliste, mais en tous les cas, le boulot est le même. Il faut travailler sa voix, il faut travailler le solfège, le machin, tout cela. Et surtout, il faut donner du plaisir et prendre plaisir, ce qu'ils ont fait ce soir.